J'ai été enlevée, enfermée dans la caverne du bout du monde. Venez vite à mon secours. Je vous envoie ce message, mais... Oh, attendez, non, non! Une demoiselle en détresse? La spécialité de Pronto. Je croyais que ta spécialité, c'était la petite sieste. N'essayez pas de me cataloguer. Pronto est expert en tout. Le bout du monde? Mais c'est très très loin. Il y a sûrement quelqu'un là-bas qui peut la libérer. C'est à nous de le faire. C'est nous qu'elle a appelé. Mais elle n'a pas appelé Pronto. Ma réputation de héros est si grande qu'il n'est pas nécessaire de m'appeler par mon nom. Je suppose que c'est là. Aide-moi, Elish! Elle a dû nous transmettre son message avec ça. Mais où est la demoiselle en détresse? Je suis là. Mais je ne suis pas une demoiselle et je ne suis pas le moins du monde en détresse. C'est un piège! Si vous travaillez pour Black, vous êtes nouveau. Ah, il sera mon prochain adversaire. C'est vous qui jouez aujourd'hui. Jouer? On joue à quoi? Au jeu pour lequel je vous ai fait venir ici. Et vous êtes? Vous ne devinez pas. Je suis le grand maître du jeu. Et ce qu'il y a de chouette dans ce jeu, c'est qu'on ne perd pas de points quand on échoue. Non, on perd tout ce qu'on possède. Nous devons décliner votre invitation. Oh, on dirait que c'est une image, une sorte d'hologramme. Oh, vous pensiez vraiment que j'allais vous faciliter les choses? Vous jouez contre le cerveau le plus génial de la caverne. Oh, quel beau spécimen. Vous devriez vous sentir plutôt flatté que je vous ai tous choisis comme adversaires. Si vous êtes si fort, pourquoi on n'a pas entendu parler de vous? Parce que ceux qui ont perdu ne peuvent pas parler. On ne va pas perdre parce qu'on ne va pas jouer. On va s'en aller. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Oh, j'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Veuillez m'excuser. Attendez, je vais vous faire redescendre. Alors, lequel ça peut bien être? Celui-ci ou peut-être bien celui-là? Oh, oh, je crois bien que c'est le bouton destruction. Oh mince, je n'ai pas le code d'annulation. Vite, ne faites rien, je vais chercher de l'aide. Il faut trouver une sortie, et vite, si on ne veut pas se retrouver éparpillé en morceaux. Tu crois? Oui, pour vous aider, il n'y a personne dans le coin, mais j'ai trouvé un DJ. Yo, yo, yo! MC, grand maître du mix et grand maître du jeu. Je me suis dit qu'un petit peu de musique bien rythmée vous aiderait à vous mettre dans l'ambiance. Non, pas du jazz. Je ne supporte pas le jazz. Oh non, non. Mais c'est la musique idéale pour se faire écraser. Arrêtez ça. Trixie, lance une slug bélier dans le mur. Electra va couper l'alimentation. Je me moque bien des murs. Débrouillez-vous pour que la musique s'arrête. Electra? Bloodjohn? Appel à toutes les slugs! Ah! Les voilà! C'est tellement...
tellement amusant, pas vrai? Et ce n'était que votre premier challenge. Et notre dernier, monsieur le joueur. Rendez-nous nos slugs et nous en resterons là. Impossible, c'est que, voyez-vous, j'ai dû faire face à de nombreuses dépenses et des difficultés pour me mesurer à vous. Je ne choisis que les meilleurs adversaires et d'après mes renseignements, trois d'entre vous le sont. Ce n'était pas la peine que je me renseigne sur les topoïdes. Ah oui? Pronto reste donc un topoïde très mystérieux. Mes règles sont simples. Les slugs que vous lancez, je les garde. Si vous survivez aux épreuves, vous les retrouverez. Ellie, on va perdre toutes nos slugs. On ne partira pas sans Electra et les autres. Oui, oui, ça me plaît. Oh bien, mademoiselles et messieurs, tenez-vous prêts pour votre prochain challenge. Actionnez le levier et gagnez un prix. C'est parti! Et tourne la roue du destin. La case où elle s'arrête vous montre le chemin. Oh, ne t'arrête pas sur la liberté. Non, pas sur la liberté. Non, pas sur la liberté. Oh, ça c'est ce qu'on appelle du suspense, pas vrai? Voyons voir ce que vous avez gagné. Je ne sais pas ce que ce joueur a prévu de faire, mais il va falloir s'en sortir sans lancer de slugs. C'était ça le challenge? Non, c'est ça! Je crois qu'il serait peut-être temps de revoir cette règle de sans les slugs! Je pense que tu as peut-être raison. Oui. Oh, mais tu as perdu, Bezo. J'espère que ça valait le coup. Oh, bien sûr que oui. Pour moi. Pronto. Oh, parfait. Encore une slug que je vais ajouter à ma collection. Mais je ne peux pas me contenter de prendre sans rien vous donner en échange. Tenez, prenez cette pomme. Allez-y, sa saveur est littéralement explosive. Ah ah! Deux ponts, mais un seul vous permettra de traverser ce gouffre de sable mouvant. Lequel de ces deux ponts est-ce? Faites votre choix et vite! Ce seau de pommes pourries ne va pas tarder à se renverser. Traverser à la nage. Ce sont des sables mouvants. Justement. Oh, il ne s'attend pas à ce qu'on emprunte le pont en ruine. Peut-être que si. Vite, Ellie, fais ton choix. Oh, mauvais choix. Sautez sur notre pont. J'aurais dû prendre mon maillot de bain. Il va peut-être refaire surface. Les sables mouvants vont l'entraîner au fond, c'est sûr. Hé, maître du jeu, est-ce que vous m'entendez? Je veux que Pronto nous rejoigne quand on aura fini. Les échecs entraînent toujours des conséquences. Le parcours de Pronto est terminé, le vôtre continue. Je croyais que ce pont était plus sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse? Si vous aviez vu la tête que vous faisiez, c'était... Oh, attendez, je vous montre. On n'a pas besoin de slugs pour remporter vos épreuves. Vous jouez un jeu dangereux. Ha! Et ce n'est pas fini. Vous allez voir. Toutes les machines doivent être sous nos pieds. Il est sûrement là-dessous avec nos slugs. Pronto. Ses talents pour creuser des tunnels nous seraient bien utiles. Oui, j'ai l'impression d'entendre la voix du petit topoïde. Hé, hey, vous avez entendu? C'est lui qui nous parle du fin fond des profondeurs. Non, du fin fond de l'obscurité, où certains n'ont pas l'air de connaître le concept d'un lieu de travail bien éclairé. Tu as réussi à sortir des sables mouvants? Quelle question! Le topoïde aime se baigner dans les sables mouvants. Et j'ai aussi creusé un trou jusqu'au fond du gouffre. Tu vas donc nous servir d'espion. Trouve le centre de contrôle du maître et rappelle-moi. Mais reste discret, il ne faut surtout pas qu'il remarque ta présence. Ah,
compris. L'agent Proto va se déplacer comme une ombre. Trois concurrents toujours en lice. Vous êtes de loin les plus brillants que j'ai jamais affrontés. Oh, ça ne m'étonne pas. Non. Eh bien, ça ne nous impressionne pas de jouer contre un hologramme qui ne sait pas quoi faire de son temps. J'avais prévu d'autres jeux plus amusants, mais on va passer directement au tout dernier challenge. Et celui-ci est individuel. Ah, Ellie, le héros des slugs et des humains, pourras-tu sauver les deux? Sinon, lesquels vas-tu choisir? Je vous ai déjà vu, vous deux, à la caverne des boutiques. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas moi qui ai eu cette merveilleuse idée, ça je vous le dis. On aurait dû faire la croisière, Sylvia. Il fallait que tu sortes de ton petit confort. Rappelle-toi ce que le médecin a dit de mon petit confort. Oh oui, tu parles d'un médecin. Tu crois vraiment que c'est le moment, ici, en public? Trixie, chère, très chère Trixie, que dirais-tu de quelques exercices de tir, hein? 5 cibles, 5 coups, enfin, si tu y arrives. Si vous croyez que je vais gaspiller mes slugs pour votre jeu, vous vous trompez. Alors permets-moi de te fournir les slugs. Mais j'ai bien peur que cela ne te soit d'aucune aide. Que voulez-vous dire? Que je ne sais pas viser? Nous verrons bien, pas vrai? Tu as eu de la chance. Howard, des montagnes russes. Oh, Sylvia, tu sais bien que je déteste ça. Qui est-ce que tu choisis, les slugs ou les humains? Ou bien le héros va-t-il sauver sa peau? Gord, le grand ingénieur, tu as 2 minutes pour me construire quelque chose d'exceptionnel, sinon tes amis auront une mauvaise surprise. Ellie, est-ce que tu m'entends? Trixie? Chaises sont vraiment bien faites. Regarde la menuiserie. Sylvia, je me moque royalement de la menuiserie des chaises. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, Whiff, exprime-toi. Oh, je sais que les lardons te donnent des gaz, mais... Ah, alors c'est ça qui l'amuse. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas l'excursion à laquelle on s'était inscrit. Joli héros, ah super chien. J'ai le colis juste sous les yeux et j'ai trouvé les slugs. On dirait qu'elles sont connectées au colis. Il y a vraiment de quoi avoir peur. C'est pour ça qu'il les a volés. Il doit utiliser leur énergie pour recharger ses batteries et ce jeu stupide. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, Korn, qu'est-ce que tu m'as construit? Un jetpack. Mais ce n'est pas pour vous. Et cette cible aurait envoyé Ellie dans les oubliettes et t'aurait transformé en bouillie. Oh, on l'a échappé, Belle. C'est un jetpack. C'était un jetpack.
Tu restes là alors que tes amis courent à leur perte. Il faudrait que tu revoies un petit peu ta stratégie. Ces deux-là n'ont pas réagi à la puanteur. Ce ne sont que des robots. Je sais que vous ne ferez pas de mal aux slugs. Vous avez besoin de leur énergie. Ah oui? Et qu'est-ce que tu sais d'autre? Que vous n'êtes qu'un informaticien vivant dans une cave et qui a besoin de l'énergie des slugs pour faire fonctionner son monde fantastique. Comment est-ce que tu sais tout ça? Personne n'est au courant! Vous feriez mieux d'arrêter de jouer avec vos robots et vos hologrammes et de vous mesurer à moi dans le vrai monde. Ah! T'es pas capable de m'attraper. Oh. Je vais même te montrer le chemin. On ne tiendra pas tous là-dedans! C'est un nouveau challenge! Je reste là. Vous deux, allez-y! Oh, amis, jusqu'à la fin. Une telle noblesse dans la défaite. On n'est pas si noble que ça. On a trouvé le moyen de vous rejoindre. Grâce au Pronto Express. Oh, j'aurais dû me renseigner sur le topoïde. La partie s'arrête là, maître du jeu. Rendez-nous nos slugs. Non, tu crois que j'ai perdu? Mais réfléchis, il te reste encore un dernier challenge. Tu dois m'attraper. Et avec l'énergie des slugs que j'ai accumulée, tu n'as aucune chance de remporter cette épreuve. Pas la moindre. Joli héros à super chien, le colis nous a repérés. Ellie à Pronto, je sais. Mettez-vous à l'abri. Je vous avais proposé une compétition des plus équitables. Cette énergie slug est vraiment très forte. Mais vous avez tout détruit en ne respectant aucune règle et en trichant. C'est faux. Ensuite, vous faites irruption chez moi et vous vous permettez d'avoir des exigences. Bien joué, mais il va falloir faire mieux que ça si tu veux m'attraper. Et toi, le topoïde fouineur, tu as été mon pire adversaire. Je vais reboucher le tunnel. En 10 minutes chrono. Pronto. Allez-y, lancez-moi des slugs, ça va seulement me rendre plus fort. Qu'est-ce qui vous reste? N'est plus qu'une slug. Moi, pareil. Lance-lui une rayonnante, ça va le stopper net. Ça nous stoppera nous aussi, et j'ai besoin de mon blaster pour une autre idée. Pas vrai, Burpee? Le tir fusion. Oui! Utilisez ce que vous avez pour faire diversion, je compte sur vous. Et on n'en éprouve aucun remords. Mais vous ne survivrez pas à ça. J'ai programmé un séisme qui va détruire toute cette caverne en quelques minutes. Vous avez peut-être encore le temps de me capturer ou de sauver les slugs. Mais pas les deux. Faites votre choix. Il a raison. Tout va s'effondrer! Ne t'occupe pas de lui! Attrape les slugs! Oh,
Allons-y, maintenant! Allez rejoindre les autres! Le jeu court toujours. Il va falloir se méfier des fausses missions de sauvetage dorénavant. Mais ce n'était pas une fausse. On les a sauvés.